Alors si on s'intéresse un petit peu à l'appareil photo, voilà donc l'interface principale donc, de l'appareil photo, on va ici retrouver des raccourcis en fait, donc le panorama, la mode caméra classique, le mode selfie, on va pouvoir en ajouter d'autres ici. Voilà donc si je prends par exemple Speed Capture et que je l'active, là ça va donc me laisser mettre en partie la caméra frontale et en partie la caméra arrière. Donc là-dessus c'est quand même plutôt sympa, c'est original. Le selfie, la caméra, voilà, mais donc c'est vraiment ce mode-là qui va nous intéresser le plus finalement, avec un maximum de fonctions. On a la possibilité de passer en mode vidéo ici, ça enregistre immédiatement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure en Full HD. Voilà, là le mode photo va évidemment prendre une photo directement. Ici on l'entend, on est en mode rafale, donc on va prendre plusieurs photos, ça met un tout petit peu de temps, c'est un petit peu décevant. On en a 11 ici, j'ai l'impression que le Galaxy S6 est un petit peu plus rapide pour ce qui est de la capture photo. En fait il prend vraiment les photos et il les sauvegarde, alors qu'ici ça va vous demander de garder seulement le meilleur, etc. Donc du coup ça peut être un petit peu une perte de temps si jamais vous voulez conserver toutes les photos pour les trier plus tard, etc. Là ça sauvegarde pas tout directement. Au niveau du flash, on a bien entendu la possibilité de passer en mode non automatique ou oui, donc là-dessus on n'a pas vraiment de flash yeux rouges, etc., comme on peut le retrouver d'habitude. Ici on va avoir différents réglages. Là on est en automatique, on a un mode nuit, un mode HDR, un mode, je vais un petit peu trop vite pour le smartphone apparemment, un mode manuel où on va pouvoir régler plus de choses, on a un mode portrait, paysage, reconnaissance de texte et enfin mode macro pour prendre des photos de près. Si je passe en mode manuel, on va pouvoir régler plusieurs choses comme la balance des blancs, les ISO, le temps de pause, voilà, et donc ensuite la distance de mise au point, la focale. Je vais maintenant passer en fait en mode automatique et essayer de comparer les photos donc de ce HTC One M9 avec par exemple le Xperia Z3 qui est reconnu pour prendre d'assez bonnes photos. Voilà, donc là j'ai pris la même photo sur le HTC One M9. J'ai pris une photo ici. Si je zoome à fond par exemple sur les petites boules de couleur ici, j'ai pris donc la même photo sur le Xperia Z3. Si je prends donc les mêmes boules de couleurs, alors elles sont un petit peu pixelisées sur le Z3, les couleurs semblent assez réalistes par rapport à ce qu'on retrouve dans la vraie vie, elles sont un petit peu pixelisées. Et là sur le M8, elles sont plus colorées, donc un peu plus saturées, encore plus fidèles je dirais par rapport aux vraies couleurs. Et donc du coup a priori je dirais que c'est de meilleure qualité sur le HTC. Ça a l'air pas mal. Maintenant si je vais un petit peu ailleurs, voilà, là on a en fait un éclairage assez proche sur le HTC par rapport à la réalité. Par contre sur le Sony on a une petite teinte rose qui n'est pas vraiment là en réalité. Ensuite sur la profondeur des noirs, là ça se vaut à peu près, je dirais qu'on est assez proche dans les deux cas. Donc c'est quand même assez proche. L'appareil photo du HTC One M9 a été quand même un petit peu critiqué, mais moi je le trouve quand même assez bien. Si on regarde maintenant, si on zoome au maximum sur les mots qui sont à l'arrière, donc tout à l'arrière en arrière-plan de la photo, ça donne ça sur les deux si on devait comparer les deux. Donc c'est non seulement on peut plus zoomer sur le HTC One M9 que sur le Z3, mais en plus j'ai l'impression que c'est d'un peu meilleure qualité, c'est un peu plus éclairé, donc ça c'est quand même une bonne chose. Et non, ça m'a l'air assez propre quand même, ça a l'air pas mal. Alors après le Sony n'est pas en termes d'éclairage, il n'est pas du tout à fond, donc du coup je vais voilà augmenter au maximum la luminosité sur les deux appareils, mais ça reste quand même plus propre sur le HTC. C'est pas la luminosité de l'écran qui change vraiment, ça reste quand même pas mal sur le HTC. On peut en tout cas plus zoomer que sur le Sony, donc là dessus c'est quand même pas mal. Donc franchement l'appareil photo du HTC a été un petit peu critiqué, mais moi il me semble quand même pas mal, peut-être moins rapide que sur le Sony ou que sur un S6 mais ça m'a l'air quand même plutôt pas mal en termes vraiment de qualité pure. Bon, c'est encore pas parfait, mais ça reste quand même très correct, peut-être un tout petit peu flou par endroit, mais ça reste quand même pas mal. Donc c'était pour le comparatif du HTC One M9 et du Xperia Z3 dans le domaine de la photo.